Bonjour, moi je m'appelle Camille et je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite et dessinée, une nouvelle aventure de Macaron et Cannelé qui cette fois-ci s'appelle Capharnaüm au Muséum. Les chats empruntent un passage souterrain qui se cache sous le parc. En chemin, Musaraigne raconte d'une voix saccadée. Un bébé renard vient de naître. Il est si mignon. Mais on n'attendait pas de si tôt. Rien n'est prêt pour son arrivée. Et si on lui fabriquait un abri? Alors votre mission maintenant, ça va être d'aider Macaron et Cannelé à fabriquer le nid. Pour cela, on a une mission plume. Macaron réfléchit. Pour construire un nid, il nous faut une super guide, s'exclame la minuscule chose grise qui sautille devant les chats étonnés. Ha ha, rit l'éléphante, voilà une bonne idée. Musaraigne connaît chaque recoin de ce musée. Elle ressemble à une souris, mais vous avez vu, elle a un museau beaucoup plus long, comme ça, qu'une souris. Et elle a des grandes moustaches, comme ça. Moi, pour bien commencer, annonce un squelette, je vous donne un radius. Je crois que ça va être encore une drôle d'aventure. Ouh ! C'est vrai qu'elle est grosse. C'est celle-là ? Oui. Capharnaüm au Muséum, une histoire de Macaron et Cannelé, écrite et illustrée par Camille Piantanida aux éditions Mola.